grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers frères et sœurs, pendant cette célébration eucharistique, nous prions pour les sœurs Thérèse, Florentine, Solange et Nathalie, qui aujourd'hui célèbrent leurs 20 ans de vie religieuse. Que la grâce de Dieu les accompagne dans leur mission et que par l'intercession des saints, elles deviennent un jour des saintes. De Dieu, chers filles et chers fils de Dieu, chers saints de Dieu, soyons purs pour préserver le corps jusqu'à la fin de temps. Comme aujourd'hui, nous célébrons aussi le 20e anniversaire des quatre sœurs, Sainte Thérèse, Sainte Solange, Sainte Florentine et Sainte Nathalie. Vous êtes des sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux partager avec vous comme missionnaire qui a travaillé au nom du Nigeria 5 ans? Étudier en France 3 ans, travailler au Kenya 8 ans et depuis 2016 à Abidjan. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous partager? Et ce que je partage avec nos quatre sœurs, c'est avec vous aussi que je partage ça. Et je vous dis, ça vient du fond de mon cœur. Un jour, au Nigeria, un jeune homme qui est venu voir ce que nous, les SMA, nous sommes en train de faire, m'a demandé, mon père, pourquoi êtes-vous devenu prêtre? J'ai été choqué parce que je pensais que c'était évident. Et devant la question, je ne pouvais pas donner une réponse juste. Parce que je n'attendais pas cette question-là. J'ai dit au jeune homme, écoutez, je vais y penser pour te donner une réponse le lendemain. Il m'a dit d'accord. Lendemain matin, après la retraite, il me pose encore la question. Mon père, pourquoi êtes-vous devenu prêtre? Et je lui ai dit, dans la vie, je cherchais une aventure. Aventure. Et je pensais que le sacerdoce sera pour moi aventure spirituelle. Non pas une aventure derrière les choses du monde,
derrière les pays, derrière les grandes choses, mais aventure spirituelle. Ça n'exclut pas, l'aventure spirituelle n'exclut pas tous les avantages d'une aventure quelconque. Parce que cette aventure spirituelle m'a amené presque partout en Afrique. Je connais assez bien Afrique de l'Est. Je connais assez bien Afrique du Nord parce que j'étais en Égypte. Je connais assez bien Afrique de l'Ouest parce que j'ai parcouru au moins 7 pays. En Europe, en Amérique, même en Inde. Vous voyez, l'aventure spirituelle n'exclut pas l'aventure, disons-le, profane. Cette aventure t'amène très loin. Et je sais que les sœurs aussi sont en train de faire une aventure spirituelle depuis 20 ans. Elles peuvent témoigner de leur rencontre du Christ, peut-être des hommes et des femmes qui ont posé la même question: pourquoi êtes-vous devenue religieuse? Si vous n'avez pas une réponse, je vous donne une. C'est une aventure spirituelle. Aventure avec le Christ. Aventure avec Dieu. Et aventure tous ensemble avec le peuple de Dieu, les saints. Alors, je vous dis, mes sœurs, restez fidèles à cette aventure jusqu'au bout. Soyez pleins d'amour et du feu initial qui vous a déjà animé. Que ce feu ne s'éteint pas. Qu'il soit ainsi pour vous pour les 20 prochaines années et au-delà de ces 20 ans encore. Je vous souhaite l'audace du Christ. L'audace qui a porté le Christ jusqu'à la croix. Et votre congrégation est du calvaire. Donc, je sais que la croix est importante pour vous. Alors, chers amis, chers sœurs, vous êtes des saints. Nous sommes des saints. Soyons dans l'allégresse. Rendons grâce à Dieu, notre Père, dans l'esprit qui nous anime et surtout par Jésus qui nous a sauvés. Que la fête soit belle. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Seigneur, les sœurs Thérèse, Florentine, Solange et Nathalie voudraient te dire merci pour les 20 années passées dans la vie religieuse. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour les joies données et reçues. Merci pour la belle histoire entre elle et toi. Merci pour le calvaire traversé avec toi dans la foi et l'espérance. Pour leurs différentes missions auprès des malades et des étudiants, ainsi que de tous les crucifiés. Merci pour leur présence missionnaire au cœur du monde à Issia, Soubré, Burkina Faso,
Guinée-Conakry, Paris, Libérois, Abidjan et à Yamé. Portant des cierges allumés dans la joie, elles te confient leur vie, la vie des sœurs de Notre-Dame du Calvaire et de tous ceux et celles qui ont guidé leur pas depuis leur premier oui jusqu'à ce jour. Elles te prient de les garder toujours unis à toi et dévoués au service des crucifiés d'aujourd'hui avec audace, courage et abnégation. Que Marie, Notre-Dame du Calvaire, intercède pour elles. Notre-Dame du Calvaire, priez pour nous. Notre-Dame du Calvaire, priez pour nous. Bienheureux Pierre Bonhomme, priez pour nous. Les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, comme une étoile, quand nous partageons le Père, il nous donne son amour. C'est le Père, le Père de Dieu.
la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On reste aujourd'hui, mange à table et roi. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le Saint-Esprit. Je suis le père d'Envy Michael, directeur du Centre de spiritualité Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau. Je suis très heureux d'être en la paroisse Saint-Joseph et Pou d'Ayamé pour la célébration des 20 ans de vie religieuse de la sœur Thérèse Guéhi, que j'appelle affectueusement ma mère. Oui, je crois 20 ans de preuves, 20 ans de difficultés, 20 ans de barrières, 20 ans de souffrances intérieures et peut-être même extérieures, mais aussi 20 ans de joie avec le Seigneur. Voilà. Je prie le Seigneur afin qu'il puisse lui donner la force de continuer son pèlerinage sur cette terre en le servant avec le cœur, comme nous le recommande Jésus dans l'Évangile, heureux les pauvres de cœur. Oui, que son cœur soit tourné
vers Jésus, que son cœur soit toujours tourné vers Jésus afin qu'elle puisse bénéficier de lui, grâce et bénédiction pour la suite de son ministère. Je suis Kwasi Martial, je suis conseiller pédagogique à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue à Boisseau. Alors j'ai été invité par les sœurs à cette sympathique cérémonie et il faut dire qu'elle s'est bien passée. Et 20 ans dans la vie d'un homme, 20 ans, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup. Voilà, donc vivre 20 ans au niveau d'une vie consacrée, il faut dire que c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a permis que ces 20 années se sont réellement bien passées. Alors, je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les parents qui ont des enfants, de ne pas les retenir à embrasser la vie religieuse, car il y a beaucoup de joie à donner. Elles ont beaucoup de joie, on les a vues danser, on les a vues manifester leur joie à cette occasion-là. Et de loin, on a l'impression que elles vivent cachées, elles vivent beaucoup de choses, mais bon, elles ont beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, on a vu que toutes les barrières étaient baissées, et elles ont passé tout le temps à manifester leur joie dans cette vie consacrée-là. Alors donc, je voudrais encore dire merci. Merci pour cette invitation à laquelle j'ai participé. Et je voudrais encore encourager les sœurs à fournir encore beaucoup d'efforts et aussi à mettre toujours, comme elles nous ont toujours conseillé, à mettre toujours Dieu au sein, c'est-à-dire au milieu de tout ce qu'elles vivent comme joie et comme difficulté. Une prière, c'est de demander à Dieu de les fortifier davantage, de leur donner beaucoup de grâce afin qu'elles puissent continuer à vivre encore 20 ans de plus, pourquoi pas. Hein? Puisqu'elles ont déjà vécu 20 ans dans cette vie-là. Et demander à Dieu de toujours les soutenir parce que ce n'est pas facile, mais qu'il leur donne la grâce de pouvoir encore bénéficier de 20 ans encore, sinon plus. Voilà, donc voilà un peu ce que je voudrais partager. Moi, c'est Niamia Rose, premier agent au maire de la commune d'Ayamé et ancienne vice-présidente du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Joseph, époux d'Ayamé. Je voudrais saluer les sœurs pour l'initiative et pour le choix d'Ayamé surtout, pour venir nous manifester leur joie. Ça a été une très belle fête, à leur compagnie. Je voudrais leur dire merci et que le Tout-Puissant qui les a choisis pour qu'elles soient des religieuses, qui les aide dans cette tâche. Nous sommes à la fin de cette belle journée ensoleillée, où nous avons, avec tous les saints et toutes les saintes, rendu grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour moi, cette journée est très significative, la Toussaint, le fait de célébrer nos 20 ans en ce jour où nous célébrons effectivement tous ceux et celles qui ont marché à la suite du Christ, tous ceux qui ont cru en Christ, qui ont donné leur vie au Christ et qui se sont vraiment engagés à la suite du Christ. Donc, c'est une joie pour moi et pour mes sœurs de perpétuer donc cette marche à la suite du Christ. Je rends grâce au Seigneur avec tous ceux et celles qui ont pu participer à cette célébration, tous les chrétiens d'Ayamé, mais aussi tous nos amis venus de différents lieux pour célébrer avec nous. Merci encore à eux, merci à chacun et à chacune. Que le Seigneur vraiment les bénisse, qu'il bénisse tous leurs projets, qu'il les soutienne et qu'il donne surtout à chacun de réaliser sa vocation. Voilà, de réaliser profondément sa vocation, qu'il découvre en Dieu quelle est la voie qui est la meilleure pour lui ou pour elle.
la voie qui donne vraiment sens à sa vie. Et pour nous, la vie consacrée donne sens à notre vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous lui disons encore merci pour ces années déjà passées avec lui. Et nous demandons encore la grâce de pouvoir continuer de l'aimer, de le servir.